La première des choses quand on veut aimer sa vie, quand on veut pas avoir le sentiment de vivre à côté de ses aspirations, de ses valeurs, c'est de se rappeler une chose. La recherche démontre que nous vivons en moyenne 30 000 matins. Vous avez 30 000 matins depuis votre naissance à vivre. 30 000 matins, pas 2 millions, 30 000. Combien de matins il vous reste à vivre ? Et ça, je sais que je suis rude, mais n'oubliez jamais ici. C'est-à-dire que on n'a qu'une vie ici sur Terre, et qu'elle est courte, et qu'elle est courte, et que ces 30 000 matins, libre à vous d'en faire ce que vous voulez, et chaque matinée, vous décidez. La deuxième des choses, c'est que ça suffit maintenant, basta, de se comparer sans arrêt aux autres. La vie est dure, à quoi vous la comparez ? Cessez de vous comparer au voisin. Le voisin, l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais ça n'a rien à voir. L'herbe est différente. Cessez de vous comparer aux autres en permanence. Ça, c'est la clé numéro 2. Clé numéro 3, s'il vous plaît, écoutez ce que je vais vous dire. Prenez plus de décisions. Mais de vraies décisions. 80% des actions, des états que nous vivons chaque jour, sont en fonction de décisions d'une tierce personne. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter votre degré de bonheur, il va falloir augmenter votre degré de prise de décision. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas si c'est vous dans le couple qui portez plus de choses sur les épaules ou pas. Mon point n'est pas là. C'est que si vous décidez plus régulièrement, même de petites décisions, je veux manger dans ce restaurant, je veux décider ce que je vais faire cet après-midi. Je veux décider ce que je vais penser, ce que je vais croire, ce que je vais voir. Qui je vais être dans 5 ans. Pas qui je voudrais être, mais qui je vais être dans 5 ans. Et je sais que je vais prendre des décisions pour devenir l'homme et la femme que je veux devenir dans 5 ans. Prenez plus de décisions.